Bonjour et bienvenue pour une vidéo de lecture spéciale pour les grands de maternelle, une vidéo de lecture autour des prénoms des enfants de la classe. Alors, pour commencer, quelques syllabes pour préparer la lecture. Alors, ici on a un J avec un U, ça fait donc JU. Ici on a un L avec un E, ça fait donc LE. Ici, on a un L avec un E, ça fait LE. Ici, on a un N avec un A, ça fait NA. Ici, on a un M avec un A, ça fait MA. Ici, alors on ne l'a pas encore appris celle-là, c'est comme un E avec un accent qui monte, donc c'est un E. C'est pareil. Ici, LI. Ici, essaye tout seul, ça fait NE. Très bien. Ici, attention, tu essayes tout seul, LI. Très bien. Ici, alors, ici, le A et le M ne sont pas mariés, on les sépare. Donc, on a un A et un M, ça fait AM. AM. Attention. Ici, un J avec un O. Alors, essaye tout seul, ça fait JO. Ici, attention, les trois lettres ne sont pas mariées, hein, on les prononce chacune. Alors, ça fait un N. Un A et puis le S ici fait S. Alors on le fait ensemble, ça fait NAS. Très bien. Ensuite ici AR. Attention, le A est avant le R, ça fait donc AR. Ici attention, le H est muet. Donc c'est comme si on avait un T, un U et un R. Donc, on a t, tur. Attention, celui-là est plus difficile. Hein? Trois sons. T, tur. Donc, ça fait tur. Ensuite, ici, on a un z, zo. Ici, un e, tout simplement. Ici, on a un t avec un a. Ça fait ta. Ensuite, un I avec deux points qui se prononce I, comme un I tout simple. Ensuite, li, hein, le Y ici se prononce comme le I. Ensuite, alors ici, les deux lettres ne sont pas mariées et on prononce le E plutôt comme un E. Donc, ça fait N. N. Ah pardon, c'est N. C'est un F plutôt. N. Et puis ici, un ZO. Voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir accrocher toutes ces syllabes deux par deux, ou même un peu plus, pour faire des prénoms. Alors ici, je vais enlever celui-là. Nous avons Jules. Alors si nous accrochons, voilà, Jules. Et attention, dans Jules, il y a un S qui est muet. C'est pour ça que je ne l'avais pas écrit tout à l'heure. Voilà. Jules. Et le E est muet aussi quand on dit Jules. On ne dit pas Jules. On dit Jules. Jules. Ici, on a Léna. Donc, il faut attacher. Hein. Ici, on a Maéline. Alors, attention. On ne dit pas Maéline, on dit Maéline. Le E ici est muet. Maéline. Maéline. Voilà. Ici, on a Liam. Voilà. Ici, on a Jonas. Hein, on prononce bien le S. Ici, il n'est pas muet. Jonas. Ici, on a Arthur. Arthur. Ici, on a Zoé, tout simple. Ici, on a
Ili. Alors, Taïli. Attention, dans Taïli, il y a un deuxième L, hein, mais qui ne change pas. Hein, les deux L ici font le même son qu'un seul L. Taïli. Et enfin, Enzo. Ici, on a Enzo. Voilà, tu as tous les prénoms des grandes sections de l'école. Alors, je te laisse t'entraîner à les relire, toutes ces syllabes, et puis à les attacher ensemble pour pouvoir bien lire tous les prénoms de la classe. Et demain, nous les réviserons. Je te les écrirai bien attachés et nous les réviserons aussi en classe virtuelle. Voilà. À demain.